Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo haul AliExpress. Je sais que vous adorez ce genre de vidéo et j'ai reçu quand même pas mal d'articles que j'avais commandés ces dernières semaines. Pour les articles, il m'en reste je crois deux à recevoir, mais c'est pas des trucs super importants, donc je me suis dit que je vais faire la vidéo de suite. Donc il y a un petit peu de tout, bijoux, vêtements, accessoires, casquettes, etc. Donc je vais tout de suite commencer par une casquette. Donc c'est celle-ci qui est comme ceci, donc en fait j'en voulais une parce que là à l'heure où je filme ma vidéo, enfin le jour où je vous poste cette vidéo, une semaine après, enfin donc là on est le dimanche 28 et le lundi 5 je pars en Corse, donc dans une semaine, donc je voulais avoir une casquette parce que des fois voilà on va marcher etc, et je la trouvais sympa, donc elle est un peu couleur camel et je trouve que hop. Mais, et je trouve qu'elle est pas mal. Voilà, je trouve ouais ça c'est pas mal, ça passe bien. Je vous mettrai les prix ici. Sinon, je vais un peu m'embrouiller pour vous trouver tous les prix. Bien évidemment, tous les liens seront en barre d'infos des produits que je vous montre. Si jamais il y a des produits qui ne sont pas en barre d'infos, c'est tout simplement parce que le lien n'est plus valable et donc je ne veux pas prendre la responsabilité de vous donner d'autres liens si jamais on, enfin on sait jamais, on sait jamais. Ensuite, je m'étais pris une petite montre comme ceci, donc elle est noire et le cadran est comme ceci. Voilà, elle est super jolie, bon en ce moment il fait super chaud donc je ne mets plus trop de montres mais je la trouve trop belle. Donc elles sont livrées toutes avec une pile à l'intérieur donc c'est vraiment super. Donc je vous mettrai aussi le lien de celle-ci. Ensuite, je me suis commandé une paire de lunettes de soleil, j'en ai commandé plusieurs, il y en a une que je pourrais pas vous montrer parce que du coup, ma soeur, quand elle les a vues, bah, elle les a pris et voilà. Mais bon, c'est pas grave, je les recommanderai. Donc, c'est des lunettes un peu style aviator. Et je sais pas ce que ça vaut parce que du coup, c'est la première fois que j'achète avec l'effet un peu miroir. Mais je suis pas trop fan, mais bon, c'est pas grave. Je me dis que c'est pas trop mal. Enfin, je verrai bien. Donc, il y a celle-ci. Et j'ai commandé celle-ci que j'ai aussi commandée avec le cadran argenté. Mais je sais pas où elles sont. Je crois qu'elles sont dans ma voiture ou dans mon sac à main. Je sais plus, j'en ai un peu partout des lunettes. C'est celle-ci et celle-ci je les aime bien franchement, moi j'aime bien en fait, si vous voulez comme je suis blonde j'adore avoir les verres un peu marron, je trouve ça plus joli donc elles sont comme ceci et elles coûtent vraiment une misère sur AliExpress donc forcément c'est pas des verres, des bons verres quand on est au soleil mais je trouve pour la fantaisie c'est pas mal, je sais pas j'ai eu une folie de lunettes. Ensuite je me suis commandé, ça c'est la grande folie en ce moment mais je voulais pas les acheter chez Calzedonia parce que c'est pas des produits que je vais beaucoup porter. Donc en fait c'est des chaussettes en rési et à l'arrière il y a le nœud. Donc elles étaient en plein coloris, moi je me suis dit en noir ce sera pas mal. Donc voilà, franchement je les trouve trop jolies, elles coûtaient vraiment pas cher. Donc voilà, je les ai pas encore portées parce que pire quand je les ai reçues en fait il a fait extrêmement chaud. Là on est monté à 32-33 degrés dans ma ville, enfin même par chez moi donc c'était juste pas possible. D'ailleurs désolée si la luminosité n'est pas au top, en fait si vous voulez il est 7h30, je sors du boulot et je voulais vous filmer cette vidéo et je me suis dit comme il fait encore jour etc, j'ai mis un peu un éclairage mais bon je sais pas ce que ça donne. Ensuite j'ai fait une radia de collier, donc les rats du cou en fait, et j'ai acheté un lot de 10, donc en premier il y a celui-ci, en fait je vais essayer de vous les montrer vaguement parce que... Voilà, avec un anneau au centre. J'ai commandé un... Celui-ci, il était à part. Celui-ci, je l'ai commandé seul, en fait. Il est comme ça, donc il y a un ras du cou comme ceci. Voilà, et là, il y a un triangle. Et je le trouve vraiment super joli aussi. C'est ma grande folie en ce moment. Je ne supporte pas trop les gros colliers en été, ce qui fait trop chaud. Mais du coup, ceux-là, c'est parfait. Je les sens pas sur la peau. J'ai commandé celui-ci, donc il est en camel. Voilà, il est comme ça. Donc c'est que des rats du cou. Hein. Ensuite, j'en ai commandé deux comme ça. Donc en fait, vous savez, c'est les grands liens comme ça. Et en fait, ils ont chacun de chaque côté des petits rubans comme ceci. Donc j'en ai pris un comme ça, argenté. Et j'ai pris le même en noir. Non, en doré, pardon. Ensuite, dans le lot des 10, il y avait celui-ci. Voilà. Il y avait... celui-ci que j'ai, je crois, déjà porté, je suis plus trop sûre. Hop. Et j'en porte tous les jours. Bah, comme par hasard, aujourd'hui, j'en ai pas mis. J'ai oublié ce matin. J'ai commandé celui-ci. C'est celui dont je suis le moins fan parce que je trouve qu'il fait un peu caniche avec le nœud devant. Voilà. Et c'était 1 € et quelques les 10, donc ça vaut vraiment le coup. Un tout simple noir. Un avec des fleurs.
Et celui-ci que j'ai aussi acheté en noir, mais je ne l'ai pas ici, il doit être dans mon rangement à bijoux. Alors attendez, hop, voilà. Ceux-là, je les ai vraiment beaucoup portés au début. Il est avec un anneau devant, et donc j'ai acheté en noir et en camel. Ensuite, j'ai acheté des... Je reste pas non plus une éternité sur les produits parce que voilà, il n'y a pas besoin de s'étendre trop. Donc, des chaussettes Rési. Donc, celles-ci, elles sont toutes simples comme ça. Et j'en ai commandé notre paire, je ne sais pas où elle est non plus. Pourtant, je les ai de toutes mettre dans le même endroit, mais bon, c'est pas grave. Avec des Rési un peu plus gros. Mais ça, j'aime trop. Et ensuite, les trois derniers produits que j'ai à vous présenter, c'est trois t-shirts que je me suis commandés. Donc, le premier, c'est un blanc avec une fleur. Je sais pas, j'ai eu ma folie de t-shirt. En fait, je m'en suis acheté un la dernière fois en magasin Levi's. Et depuis, je sais pas, j'adore les t-shirts. Enfin, c'était pas des récos d'aujourd'hui, mais j'ai acheté lui le Carl is my father. Je le trouve trop trop beau. Et j'ai acheté celui-ci avec écrit Vogue. Et franchement, je les aime trop. Ils taillent vraiment super bien. Moi, j'ai pris du L et ça va très bien. Je prends toujours une taille au-dessus, de toute façon, dans les magasins. Enfin, dans les t-shirts sur les sites un peu asiatiques. Et là, ce que vous voyez, c'est une tour à rouge à lèvres que je me suis commandée sur Amazon. Et elle est vraiment de trop trop bonne qualité. Donc, je suis super contente. Et donc, voilà les filles. J'ai fini de vous présenter tous mes produits AliExpress. Je vais pouvoir enfin tout ranger. Et puis voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, je vous fais de gros bisous et on se retrouve mercredi dans une prochaine vidéo, bye bye.